Je l'aime. Et je sens que... qu'on est vraiment connectés tous les deux. Émotionnellement, je veux dire. Et c'est un amour qui grandit avec le temps et... je le jure, mon père. Je jure que c'est quelque chose que je ne peux plus contrôler. Et ta vocation religieuse, qu'en fais-tu? Dieu t'a donné la joie ainsi que le pouvoir de partager l'Eucharistie. Qu'est-ce que tu penses faire avec ça? Mon père, je me sens très mal. Je me sens misérable parce que j'ai réfléchi. Parce que j'ai considéré sérieusement vous demander une dispense religieuse afin de laisser tomber ma vocation. Est-ce que tu as reconsidéré mon offre? Tu sais, passer un moment romantique avec moi. Ou alors tu as déjà oublié que j'ai un moyen pour t'obliger à faire tout ce que j'ai envie. Papa chéri, c'est super que tu sois ici. Pourquoi? Vous avez la date du mariage? Eh bien, on ne le sait pas encore. N'est-ce pas, Chelso? Qu'est-ce qui se passe? Julia te donne la permission pour que tu parles? Non, j'avais une idée qui m'a traversé l'esprit. Vous savez bien comment sont les mathématiciens. Non, je ne sais pas. C'est pour ça que je te paye. Alors on a, oui ou non, une date de mariage? Non, on va attendre jusqu'à ce que Julia soit enfin prête. Et ça peut être dans une semaine ou 10 ans. Tu sais combien les femmes sont imprévisibles, papa? D'accord. Je vous fais confiance, mais n'attendez pas trop longtemps. Parce que je veux te voir bientôt mariée, ma fille adorée. Ne me cherche pas, Chelso. Tu sais que je suis capable de montrer tes photos dégoûtantes à mon père. Oui, évidemment. Julia, tu me tiens entre tes mains. Parle avec Monseigneur pour voir ce qu'il te dit. C'est ce que je vais faire, mon père. Amélia, je suis content que tu sois pas là. Pas maintenant, Sébastien. Je suis venue parce que je veux me confesser auprès du père Tiziano. Viens, ma fille, viens. Mon père, j'avais besoin de parler avec quelqu'un qui a un point de vue impartial sur tout ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai pensé à vous. Oh, je vis un enfer depuis que Sébastien est rentré d'Espagne. Je l'aimais déjà bien avant qu'il ne devienne curé. Maintenant, je vis dans l'incertitude parce que je ne sais pas ce qu'il va advenir de nous. Encore ça, maman? Tu es comme le slogan qui dit « Si tu veux éviter la gueule de bois, bois de l'eau ». Je n'ai pas le cœur à rire, Gregorio. La visite de la nonne était si grave? Comment tu sais? Tu l'as vue? Fanny m'a dit qu'elle est venue et qu'après avoir parlé avec toi, t'étais bizarre. Bien sûr. Fanny lui a ouvert la porte. En fait, c'est la religieuse d'un couvent et elle est venue me demander de l'argent pour son orphelinat. Voilà, c'est tout. Bien sûr, c'est pourquoi tu bois autant. Tu serais pas plutôt contrarié par l'histoire de Camille là, si elle est de notre famille, si papa veut lui donner notre nom? Mais ça n'a rien à voir avec Camilla. Alors pourquoi tu continues à boire à cette heure, maman? Si je ne te connaissais pas, je dirais que papa t'a trouvé avec un amant. Tu ne dois pas me manquer de respect, Gregorio. Mais c'est la vérité. Regarde-toi, t'es tellement nerveuse, tu tombes presque dans la paranoïa. Tu as bu la moitié d'une bouteille et qui sait si t'en as pas bu une autre. Tu as vraiment l'attitude de quelqu'un qui cache quelque chose, maman, ou de quelqu'un qui vient de découvrir quelque chose. Et moi, je m'inquiète pour toi. Amélia, cet amour est absolument impossible. S'il ne demande pas une dispense de ses obligations sacerdotales, tu ne peux rien faire. Il sera un homme interdit pour toi. Non, mon père, je sais qu'il m'aime. Il me l'a dit. Sébastien et moi, on s'aime. Si ça ne dépendait que de moi, on se serait déjà mariés pour s'en aller loin de nos familles et de tout ce qui nous guette. Je te demande juste de prier. De prier de tout ton cœur, la Sainte Vierge. Quand tu sentiras que tout est tristesse, l'amour changera ta vie et orientera ton chemin.
Et qu'est-ce qui t'arrive ? Le verre que tu as bu au petit déjeuner est mal passé ou c'est la collation que tu as prise en pleine matinée ? La mère Isabelle est venue me voir ce matin. Et ? J'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que tu as fait, Patricia ? C'est Maria, Amélia et moi qui avons dénoncé Rosa à la police. Nous l'avons accusée du meurtre de Léoncio. On l'a accusée alors qu'elle était innocente. Et ensuite, la police a enquêté et tu connais le reste de l'histoire. À cause de moi, Rosa a passé plusieurs années en prison. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire, Fausto. Je suis perdue. Bon. Patricia. Rosa Blanco ne te fera absolument rien. Mais elle va revenir pour se venger. Rosa est celle qui a commis ce crime, et tout le monde sait cela. Personne ne veut vraiment savoir ce qui est arrivé à ce pauvre Léoncio. Qui l'a tué, comment ils l'ont assassiné. Et quant à cette prétendue vengeance, ne t'inquiète pas, mon amour. Car je te protégerai. Il ne t'arrivera absolument rien. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Madame ? Merci, Léonore. De rien. Tout ce que tu dois faire, c'est agir comme si rien de tout ça ne s'était passé. Comme si cette nonne n'était jamais venue te voir. Et quand Rosa Blanco reviendra ? Je m'occuperai de tout. Tout ça, c'est à cause de Maria Amélia. Dans un moment de remords, elle est allée voir Rosa en prison et elle lui a dit que nous l'avions accusée du meurtre pour nous protéger. Cette Maria Amélia était tellement stupide. J'ai toujours été en désaccord avec son mariage avec Augusto. Le problème, Fausto, c'est que Rosa sait la vérité et de sources sûres. Alors elle n'a pas de quoi douter et ce sera facile pour elle d'en déduire qui a tué Léoncio. Tais-toi. Ne répète plus jamais ça parce qu'on pourrait nous écouter. Tu sais de quoi on doit s'occuper ? Du policier qui enquête sur la mort de Léoncio et d'Augusto. On a un problème, Fausto. On a un gros problème. Rosa est libre. Elle nous a retrouvés. On est perdu, Fausto. Le corps d'un homme ne ment pas, mon amour. S'il est vraiment bien fichu, il peut te faire grimper au rideau. S'ils sont musclés, c'est parce qu'ils sont gros, ça fait peur. Ah, moi, ce que je préfère, c'est les baraqués, vraiment. Parce que les maigrichons me font pitié. Oui, c'est vrai. Mais dis-moi, en parlant de maigrichons, ah, comment vas-tu, toi ? Et toi, chichi, dis-moi ? Qu'est-ce que tu sais sur les hommes ? Ah, si vous êtes obsédée et vulgaire, je ne parle pas de ces choses. Ah, chichi, quelle dignité ! Je ne peux pas y croire. Prête ? Oui, je suis prête. Mais Rosario, bouge-toi, ne laisse pas ce jeune homme attendre. Dépêche-toi. J'ai perdu ma dignité, Chilla. C'est ce corps que j'adore. Ah, tu vois. Bonjour, Rosario est là ? Ah, beau jeune homme. Ma sœur a dû partir en urgence. Elle est partie pour voir une tante qui est tombée malade et qui s'est cassée le bras. Ah, laisse-moi l'appeler, je peux peut-être l'aider. Non, ne l'appelle pas. Je vois bien que tu ne sais pas combien c'est difficile. C'est horrible de s'occuper d'une vieille malade. Ne t'inquiète pas, nous allons lui dire que tu es passée. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Ah, qu'il est beau. Monsieur, impossible de retrouver Camilla. Elle n'est pas à Mascarada. Ah, alors elle doit être avec Mère Isabelle et son téléphone n'a plus de batterie. Sonia, s'il te plaît, envoie ces documents. Je vais à l'orphelinat. Max,
Est-ce que je peux te parler une seconde? Merci, monsieur. Bien sûr, Leandro, entre. Papa s'en est pris encore à moi. Il pense que je l'ai trahi, Max. Parce que Fausto m'a obligé à lui dire... T'inquiète pas, Leandro. Tu connais papa, tu sais qu'il se fâche pour un rien. Je sais que tu serais incapable de trahir la famille. Calme-toi. Leandro, tu te sens bien? Leandro! Sonia! Sonia, au secours! Reviens de m'aider, Sonia! Sonia! Leandro! Mon Dieu! Leandro, calme-toi! Calme-toi, mon amour. On n'en a pas besoin. C'est pas nécessaire. Calme-toi, mon amour. Calme-toi. Il a ce genre d'attaque quand il est un peu stressé. S'il prend ses médicaments, ça n'arrivera plus. Que Dieu te bénisse, Amelia. Amen, mon père. Amelia, comment ça s'est passé avec le père Tiziano? Bien. Maintenant, je me sens plus soulagée. J'avais besoin de me confesser. Quand je suis avec toi, le monde n'existe plus. Je veux juste t'embrasser, t'enlacer. Amelia. Dernièrement, j'ai enquêté sur l'histoire d'un curé qui a demandé une dispense de ses obligations religieuses. Parce qu'il voulait être maire de sa province, et elle a été accordée. Et juste après avoir perdu les élections, l'Église lui a retiré sa permission pour qu'il retourne à sa congrégation. Sérieux? Attends, un moment, Sébastien. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux changer tes habitudes ou tu veux juste essayer un moment pour voir si ça marche avec moi et si ça fonctionne pas, tu redeviendras curé? Non, 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 arrête, Amelia, s'il te plaît, n'interprète pas mal les choses. Non, 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 je n'interprète rien. Tu veux demander une dispense à Monseigneur et si ça ne marche pas entre nous, tu retourneras au couvent comme l'autre curé qui est retourné quand il a perdu les élections? Si c'est le cas, oublie-moi. Parce que je ne veux pas qu'on essaye un moment, Sébastien. Ce que je souhaite... c'est aimer pour la vie. Toi et moi, nous devons juste raconter l'histoire que nous avons répétée pendant tout ce temps. Que Rosa Blanco est la meurtrière de Leoncio. Et Ézéchiel, par pure haine, a tué mon frère en croyant qu'il était l'assassin. Et c'est très simple. Tu comprends? Mais j'ai un doute concernant... Non, tu ne peux pas douter, tu ne peux pas douter. Tu dois répéter la même chose. Rosa Blanco est l'assassin de Leoncio. Et Ézéchiel a tué mon frère. Tu ne peux pas douter, parce que sinon on pourrait devenir des suspects. Je ne sais pas si je peux, Fausto, j'ai trop peur. Peut-être que tu as peur. Très bien. Aie peur alors. Mais il ne faut pas que tu parles aux autres. Parce que si tu parles aux autres, ils peuvent nous accuser. Et alors ce serait dangereux. Définitivement, je suis la reine des jeux d'amour. Je me suis débarrassée de Xavier sans qu'il ne suspecte que Roger est avec Rosario. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé avec Roger? Pourquoi tu rentres si tôt? Ne me dis pas que ça a duré juste 5 secondes. Tais-toi, espèce d'idiot! Ma sœur n'est pas allée coucher avec Roger. Comment tu peux y penser? Allez, 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 on y va. Parce que vous n'avez pas couché ensemble, pas vrai? Non. Mais cet homme me plaît tellement. Il est sérieux, il aime sa famille, il veut former un foyer. Il t'a aussi demandé un enfant? Non, non, non. Non, mais s'il parle si bien de sa famille, je suis sûre que c'est parce qu'il en veut une aussi. Est-ce qu'il t'a parlé de Fernando? Copine, l'autre bel homme est venu. Attention à ne pas trop jouer. Arrête d'être jaloux, vieux garçon. Et toi, Rosario, on doit faire très attention à notre mensonge. Souviens-toi que tu prends soin d'une tante malade, d'accord? Parce que je te connais. Et surtout, ne va pas tout balancer. Parce que la vérité nous tuerait toutes les deux. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Pourquoi vous parlez à mon fils? Je lui pose simplement quelques questions sur les coups qu'ils ont infligés à Sébastien. Et vous supposez que Gregorio, ou l'un de mes enfants, peut être mêlé à cet incident? Maman, j'ai juste dit que j'ai rencontré Sébastien au parc par hasard. Tu n'aurais même pas dû dire ça, Gregorio. S'il te plaît, maintenant, monte dans ta chambre.
Vous et moi savons que ces coups ont été portés par Fernando et Roger. Mais nous n'allons pas parler de ce sujet pour le moment. Alors, pourquoi? Pourquoi vous êtes venu? C'est Mère Isabelle qui vous envoie. Mère Isabelle? Et pourquoi Mère Isabelle me demanderait de venir vous voir? Pour parler de quoi? De rien. Avec tout ce qui se passe, je suis dépassée. Dites-moi, pourquoi vous êtes venu? Vous savez quelque chose. Vous avez appris quelque chose. Vous savez quelque chose. Vous avez l'air très nerveuse. C'est normal que je sois nerveuse. Je rentre chez moi et je trouve un policier qui interroge mon fils. Ensuite, il me dit qu'il veut parler avec moi. C'est bizarre. Non. Non, non, non. Vous savez quelque chose. Vous cachez quelque chose. Je ne parlerai plus. Je vous demande de sortir de chez moi maintenant. Vous savez que j'enquête sur les assassinats qui sont à l'origine de la guerre entre vos deux familles en ce moment. Non, je ne le savais pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai d'autres choses à dire. Si vous le saviez. Vous le saviez, parce que vous avez dénoncé Rosa Blanco pour l'assassinat de Leoncio López Méndez. Et? Si vous avez dénoncé Rosa Blanco, c'est parce que vous savez comment Rosa Blanco a tué Leoncio. Ou vous y étiez aussi. S'il vous plaît, madame, dites-moi comment Rosa Blanco a tué Leoncio López Méndez. Ezequiel veut se marier avec Camila. Même si ça implique qu'il devra la prendre à son propre fils. Papa, ça va pas? Elle est le point faible d'Ezequiel. On va voir ce qu'on fera d'elle. Ok. Mais il faut y penser. Parce qu'on s'en prendrait pas seulement à Ezequiel, mais aussi à Max Esquivel. Va répondre dehors. Non, c'est pas du tout important. Ils rappelleront plus tard. Bah Yeli, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu tournes en rond. Tu fais les 100 pas dans toute la maison. Je sais pas. Je me sens mal, Camila. J'ai comme une douleur au cœur. Je suis nerveuse, je sais pas. Ah, t'es nerveuse. Et je pourrais savoir pourquoi? Tu serais pas dans cet état juste parce que Fernando a disparu comme le Père Noël le 26 décembre? Oui, Camila. Oui. J'ai même pas pu lui dire que je suis enceinte. Je n'ai pas confiance en ce type, Yeli. Non, mais quel genre d'homme va aller demander à sa copine qu'il connaît que depuis 2 jours d'avoir un enfant? C'est complètement insensé, non? Idiote. 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 C'est tout ce que tu es, Yeli, t'entends? Une idiote. Tu sais, il n'y a pas que la coiffure dans la vie, Yeli. Il faut savoir aussi penser avec ta tête. Bon, c'est pas une raison pour te mettre dans cet état. Si tu veux, je vais te chercher une pelle pour que tu t'enterres toi-même. Oui, bon, Yeli, peut-être que Fernando n'a plus de téléphone. Ou qu'il a plus de batterie, je sais pas. Moi, aujourd'hui, j'avais plus de batterie, par exemple. Arrête, Yeli, viens, viens. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, ok? Ça va aller, allez. Tout va bien, maman? On dirait pas avec ces coups que vous avez reçus. C'est un accident. Le commissaire était en train de me poser quelques questions. Oui. J'ai trouvé un dossier comprenant. L'accusation qu'a portée votre mère avec Maria Amelia Aragon contre Rosa Blanco pour l'assassinat de Leoncio López Méndez. Pourquoi vous l'avez dénoncée, maman? Mais voyons, c'est parce qu'elle l'a tuée. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas comment... C'est Maria Amelia qui savait. Moi, je l'ai uniquement accompagnée pour porter plainte et en tant que témoin. Je ne sais rien d'autre. Attends. Le dossier policier ne devrait pas indiquer ce qu'a déclaré ma tante à cette époque? Évidemment. Mais je voulais l'entendre de la bouche de votre mère. Rosa Blanco a tué Leoncio. Ensuite, Ezequiel a tué Augusto parce qu'il l'accusait d'avoir tué son frère. Et c'est tout. Xavier. Xavier, si beau. Mais Roger, comme un étalon. Oh, je ne sais pas lequel choisir. Ah, pour Xavier, cet homme est beau comme un roi. En plus, son corps est vraiment
dit 20. Ah non, 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 Rosario, non. Il vaut mieux choisir Roger. Ah, parce que cet homme a tellement de style et il sent l'argent et la luxure. Ah, je l'adore, je l'adore. Enfin, calmez-vous. Oh, mon Dieu. Mais arrête. Oh, mon Dieu. Vite, cache-toi, elles sont ici tous les deux. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne te regarde pas. Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi vous vous mettez à crier? Roger est venu apporter les catalogues et Xavier est venu voir ses produits parce que Sheila Pérez est l'associée de Capriccio et Mascarada. C'est comme ça et pas autrement. Et ensuite, il faut le découper. Ah non, ma mère! C'est très difficile. Pour moi, c'est plus facile d'attraper un crayon et de dessiner un cœur sur une feuille. Moi aussi, je suis perdue. Regardez comme mon cœur est tordu. Italia. Bien joué, ma mère. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, Fausto. En quoi puis-je vous aider? J'aimerais discuter avec vous, mais en privé. Ça signifie que je dois partir. Viens, ma puce, je te ramène. Merci, Dahlia. Excusez-moi. Ma mère, pourquoi êtes-vous allée rendre visite à ma femme? Que savez-vous sur la mort de Leoncio López Méndez? Alors t'étais ici. Je t'ai cherché toute la journée. Ah, j'avais plus de batterie et j'avais laissé le chargeur à la maison. Mais dis-moi, quoi de neuf? Bien, j'ai une surprise pour toi. Mais c'est pas possible. Après tout ce temps, tu me connais pas encore? Combien de fois je vais devoir te répéter que j'aime pas les surprises, Max? Comment ça? Je vais devoir me mettre une pancarte devant moi pour te le rappeler à chaque fois? Bon, dis-moi ce qui se passe. Stop, Camilla. Les surprises, ça fait plaisir, non? Ah, si c'est comme les surprises que tu me fais? Tes surprises sont comme un mauvais coup sur la tête. Écoute, pour l'instant, je peux rien te dire. Parce qu'avant de venir là, je suis allé chez moi et j'ai laissé la boîte là-bas. Quelle boîte, Max? Ah, ta surprise, c'est une boîte? C'est pas vrai. Mais pourquoi t'es toujours aussi impatiente? Hein? Très bien. Je vais te le dire. Ton cousin Henri m'a donné une boîte avec des lettres que ta mère a envoyées à tante Esperanza. Quoi? Dans ces lettres, on va tout découvrir, j'en suis sûre. Ouais. Max! Max! Doris? C'est quoi cette boîte? C'est votre fils Max qui est venu, il a demandé après vous. Mais comme vous dormiez, il a laissé cette boîte et il est parti. Tu peux me faire un jus, s'il te plaît? Pour Esperanza, de Rosa Blanco.